parle du cri de Munch, mais là on peut presque parler du cri de Marseille, quoi. C'est vraiment un cri. Mais même si les œuvres nous semblent difficiles, on est obligé de reconnaître que dans tous ces tableaux, il y a une infinie tendresse. Pour celui qui regarde avec le cœur, c'est pas agressif, c'est pas vrai. C'est souffrant, c'est émouvant, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence. Il y a simplement la déchirure des âmes, les blessures de la vie, l'œuvre d'un écorché vif.